Alors bonsoir, ce soir on est en direct avec Festibec, toujours au 3737 Crémazie. Donc on est là pour célébrer le 40e anniversaire pour le journal communautaire Le Monde avec notre invitée spéciale, Madoua Nika Kadé. Donc Madoua, est-ce que tu as un message à nous passer ce soir? Mais d'abord bonsoir Pamela, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc à titre de députée de Bourassa Sauvé et notamment porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse, porte-parole libérale pour la jeunesse. Je suis c'est un honneur pour moi là, de prendre part à cet événement-ci. Donc, tout d'abord, mon premier mot, c'est joyeux 40e anniversaire au Journal Le Monde. Le Journal communautaire Le Monde, c'est un des piliers de notre communauté, donc qui a pavé la voie, qui nous a permis, donc qui a marché pour que l'on puisse voler, pour que l'on puisse courir. Et ce type d'organisme-là, donc qui a travaillé d'arrache-pied, parfois dans l'ombre, parfois même donc, en traversant des obstacles, c'est ce qui nous permet d'être plus forts comme communauté de façon générale, mais c'est ce qui permet de poser les jalons de la prochaine génération. Je trouve ça extrêmement important. Donc, tout le travail qui est fait, la transmission intergénérationnelle qui est faite pour que l'on puisse prendre conscience de ce qui s'est fait auparavant et que notre génération et celles qui suivent, notamment les jeunes impliqués avec le regroupement Jeunesse en Action, puissent complètement prendre leur place ici au Québec. Moi, c'est mon souhait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je m'implique en politique et ça me motive extrêmement dans mes valeurs d'être capable de prendre part à cet événement ce soir. Merci encore d'être venu ce soir. Donc, bon retour et puis à la prochaine. Merci. Merci à la prochaine, Festibec. Yeah.